Outils pour parler de sa consommation. Document 1. Bonjour à tous. Cette semaine, votre magazine 65 millions de consommateurs enquête sur les habitudes d'achat des Français en contexte de crise. Nous retrouvons aujourd'hui Maude, notre consommatrice témoin, mère de famille à Lyon. Bonjour Maude. Alors dites-nous, avez-vous changé vos habitudes ces derniers mois ? Ben, c'est vrai qu'avec la crise, je fais beaucoup plus attention et je recherche des produits moins chers. Je vais aussi un peu moins souvent dans les magasins pour être moins tentée. Et puis pour l'alimentation, je fréquente plus souvent les magasins discount. C'est nettement moins cher et finalement, on trouve des produits d'aussi bonne qualité. Vous voyez, je suis plus vigilante et moins dépensière qu'avant. Et toujours aussi disponible pour notre magazine. Et dites-moi, pour les vêtements, où est-ce que vous les achetez en général ? Depuis un an, j'ai choisi de les acheter en ligne plutôt qu'en magasin. Pas d'attente et les prix sont bien plus attractifs. Je me suis rendu compte que je ne dépensais pas autant qu'en magasin et que j'étais tout aussi satisfaite de mes achats. Et les produits bio ? J'en achète de plus en plus, d'autant plus que leur prix baisse un peu. Mais ce n'est pas la majeure partie de notre alimentation à la maison. Comme je vous l'ai dit, je vais plutôt dans les magasins discount. C'est davantage dans mes moyens.